Aujourd'hui, on commence une nouvelle aventure. On s'en va faire le trajet des sommets du fjord du Saguenay. Ça va être une aventure incroyable. On décolle au pied du Valinois. On s'en va faire 250 km de sentier pour aller explorer les monts Valin. On devrait atteindre à des sommets d'environ 1000 mètres d'altitude. On va voir des paysages incroyables. Aujourd'hui, je suis accompagné avec Jean-Sébastien Martel, copropriétaire de Sport DRC, et Daniel Gagné, le producteur de Roadfish. On va faire une très belle aventure de sentier ensemble. Aujourd'hui, on va essayer la nouvelle machine de BRP, le XRS Renegade 850. On devrait avoir vraiment beaucoup de plaisir, de l'émotion forte. On va triper. Moi, c'est mon baptême de sentier en plus. Fait que j'ai vraiment hâte d'aller battre les sentiers avec cette motoneige-là. Let's go! On y va! On décolle ça maintenant! Les machines nous attendent. Ils sont prêtes. Wow! Yes, Daniel! Yes, Jean-Sébastien! Ça va être malade! En plus, la température est pour nous autres. Il n'y a pas de vent. Des beaux petits flocons de neige qui tombent. Fait que là, il reste juste à aller avoir du plaisir et à faire du kilométrage dans des super beaux sentiers. On est vendredi matin. Des sentiers ont été damés cette nuit. On démarre ça en beauté. On est parti! On vient d'arriver sur le pic Mont-Victor-Tremblay. On a fait une belle montée. On est rendu presque à 800 mètres d'altitude. Ici, par exemple, on a beaucoup d'humidité aujourd'hui. À la vue des montagnes, on la voit presque pas. On est vraiment presque dans les nuages. On est monté en altitude, fait qu'on a fait une belle montée avec un beau dénivelé tout le long. Écoute, on voit presque rien. On est la petite neige qui tombe, puis c'est vraiment brumeux. Ça reste que le paysage, il est splendide. Regardez la belle vue qu'on a des montagnes, la neige sur les arbres. L'endroit est magnifique. C'est une super journée aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai pris une journée de congé, puis je suis venu faire une belle randonnée de snow ride sur les Monts Valin avec une belle gang. Puis j'ai amené des belles machines de chez Sport DRC. On a tous les modèles. On va essayer ça. Bienvenue dans le paradis des Monts Valin. Depuis 25 ans que je fais du sentier de motoneige, je fais partie du club de motoneige de l'Exchange en S depuis près de 20 ans. Et puis, je suis un passionné des sentiers. On a tellement un beau réseau qui communique le Saguenay-Lac-Saint-Jean et tout le reste du Québec, bien évidemment. Un réseau de sentiers extrêmement entretenu. Presque tous les soirs, les surfaceurs sont en action pour nous permettre d'avoir le paradis de la motoneige qui est le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Les sentiers sont bien signalés. Avec les applications d'aujourd'hui, e-motoneige puis tous les beaux GPS qu'on peut avoir sur nos véhicules, c'est tellement facile de sortir puis de voyager loin. Moi, le sentier, là, c'est mon dada. Je pourrais partir le matin à 5 heures du matin puis finir aux petites heures. Une très belle aventure qui commence ici pour nous aujourd'hui. Je vais le dire, avant, je n'aimais pas beaucoup l'hiver. Je suis un pêcheur de nature, mais depuis que j'ai découvert la motoneige l'hiver dernier, que ce soit autant hors-piste ou sentier, ça m'a vraiment donné le goût et l'amour pour la neige. À la base, moi, je suis un gars qui aime beaucoup la nature. J'aime pêcher. J'ai découvert la chasse aussi. On vient d'ici, du Saguenay-Lac-Saint-Jean. On a décidé vraiment d'axer sur la motoneige parce que je pense qu'on a la plus belle région au Canada, une des plus belles places vraiment pour faire de la motoneige. Puis je voulais faire découvrir ça aux autres personnes. Quand j'ai connu les gars l'année dernière de Passion Hors-Piste, j'ai vraiment vu c'était quoi l'amour de la motoneige, de la neige. Puis on voulait faire découvrir ça à le plus de monde possible. Fait que cette année, on a décidé vraiment de produire une émission sur la motoneige, autant sentier que hors-piste. Le but, c'est vraiment de vous faire découvrir la passion des gens. On fait le tour des monts. On va essayer de monter quelques montagnes pour avoir des vues magnifiques. On est bien parti. On continue notre aventure. Sainte-Rose-du-Nord, nous voilà. Wouhou! Là, présentement, on est en direction de Sainte-Rose-du-Nord. On a décidé de faire une petite pause pour admirer le paysage. Très beau sentier sinueux. C'est vraiment plaisant à conduire là-dedans. Comme moi, j'ai eu beaucoup de plaisir jusqu'à maintenant. J'allais justement te demander, puis comment tu trouves ça, le sentier? Sérieusement, là, avec la bonne machine, c'est trippant au bout.
Les machines qu'on conduit présentement, c'est des modèles Renegade et MXZ. C'est fait pour ça. Ils sont plus larges de patins. Les suspensions sont faites pour prendre la bosse quand c'est moindrement gratté. C'est vraiment une machine à dévorer le sentier. Honnêtement, mon beau feeling que j'ai eu, c'est le 0,50. Là. J'ai trippé au bout. Peut-être tu te lances la poignée, ça part d'avant. Ça vire les détours, c'est plaisant. C'est un restant sécuritaire. Comme on disait tantôt, c'est un sentier régional. Demain, on va aller sur le provincial pour peut-être faire un peu plus de vitesse, rencontrer plus de machines. Puis on a des très belles conditions, la neige est de notre côté. On va se rendre à Sainte-Rose-du-Nord, on va aller manger là, puis après ça, ben, on revient. Good! En ce moment, on a des casques oxygène de Ski-Doo. Je vous le dis, c'est un charme, ça prend ça. C'est sûr que c'est un casque qui est un petit peu plus dispendieux que les autres modèles. Par contre, ça fait toute la différence pour une journée de motoneige. Ça se branche directement, visière chauffante, pas besoin de se cacher le visage. On est parti! On approche de Sainte-Rose-du-Nord, qui est justement derrière nous. On est parti du Val-Inouet pour se rendre jusqu'ici. Ça a été vraiment un beau trip à faire, là. Un beau sentier qui était sinueux. Ça nous a permis de nous réchauffer un peu. Là. C'est ça que j'ai aimé, de bouger un peu ces machines. Là. On arrive ici, le coup d'être là, wow! La vue en arrière de nous est tout simplement incroyable. Vraiment trippant, puis on s'en va en direction du fjord. C'est une belle place. Moi, personnellement, j'y avais jamais été. Sainte-Rose, très populaire l'été. C'est ça qu'on va découvrir à quoi ça ressemble l'hiver. Mais beau sentier, beau coin. J'ai vraiment aimé le chemin de me rendre ici. C'était très actif. Comme on disait, je pense qu'aujourd'hui, c'était un sentier qui donnait plus chaud un peu. Puis demain, on va se concentrer un petit peu plus sur les trails provinciales. Personnellement, ça faisait quand même longtemps que j'avais pas fait de sentier. Je suis vraiment impressionné par la réponse des machines, comment que ça se comporte, comment que ça pardonne d'un boss aussi. Tout au long de notre descente, les sentiers étaient très bien affichés. Il y avait des pancartes un peu partout qui nous indiquaient pour se rendre ici. On s'est rendu extrêmement facilement ici, là, puis avec beaucoup de plaisir en plus. C'était vraiment trippant. On est maintenant rendu à Sainte-Rose-du-Nord. On peut voir ici, la vue est magnifique. J'avais entendu parler de la route des sommets. C'est quelque chose que je voulais essayer. Je dis pas qu'on va faire tous les sommets, mais tous ceux-là qui sont un petit peu plus accessibles côté motoneige, on va les visiter. Ça vaut la peine, vraiment. C'est assez facile aussi. Qu'est-ce que j'aime, c'est les sommets qu'on a visités, totalement différents l'un de l'autre. C'est notre deuxième ici, à 1005 mètres d'altitude. C'est vraiment un endroit à venir voir. Très facile d'accès aussi. On vient d'arriver à un magnifique point de vue qui surplombe Sainte-Rose-du-Nord. On a la chance d'avoir un des plus beaux fjords au monde avec une longueur de plus de 100 km de long. Des rebords escarpés avec des profondeurs d'allant jusqu'à 260 mètres. Ça va bien, c'est beau. Je laisserai vous parler de l'expédition que l'équipe de caméramans qui ont emprunté aujourd'hui. La chaîne extraordinaire, les gars en doré, sécuritaire. Belle boîte cargo, ça va même bien dans le sentier comme leur sentier, expédition. Les caméramans ont aimé. Plus ça va, plus j'aime la motoneige. À chaque jour, vraiment, j'en tombe mordu. J'ai déjà hâte qu'on reparte pour faire le sentier sur le retour pour un circuit qui est vraiment différent. Puis demain, on va visiter un autre secteur. On va rester sur les provinciales, où on va pouvoir faire plus de vitesse. Ce matin, on se lève au pied du Val-Inouet. La première vue que j'ai eue en me levant, c'est les pentes du Val-Inouet avec les nuages en haut, la brume. Moi, ça fait à peu près une douzaine d'années que je fais de la motoneige en hors-piste. Depuis que j'ai 14 ans que je fais de la motoneige. Depuis que je suis toute jeune, là, je suis tout petit. Là. Moi, je voyais mes oncles qui avaient des vieux TNT, des vieux Yamaha 292. C'est mon oncle qui m'a offert une vieille motoneige qui était brisée. Il m'a dit, si tu veux en faire de la motoneige, prends-la, je te la donne. Mais je veux que organise-toi pour la réparer, puis tu vois ce que tu veux avec. Là, ça a commencé comme ça. Je faisais plus de mécanique que je faisais de motoneige dans ce temps-là. Je faisais 3 heures de mécanique pour 45 minutes de skidoo.
Ah, il faut être débrouillard. Quand tu vas en forêt, il faut que tu sois débrouillard. Écoute, j'ai déjà fait peut-être 4 heures de sentier dans ma vie pour dire que quand j'étais parti dans une expédition de sentier. Donc, c'était vraiment ma première expérience de sentier que j'ai faite en fin de semaine. Puis j'ai adoré ça. Quand tu fais du sentier avec la bonne motoneige, c'est du pur plaisir. Tu vas voir le feeling de la machine qui colle d'un détour à pleine vitesse. On pouvait garder notre vitesse régulière, puis ça, on ne sentait pas les bosses. Le That's Ski-Doo Feeling, c'est le slogan en anglais de la compagnie BRP. Moi, ce qui me fait ressentir les petites étincelles en dedans, ça me fait monter l'adrénaline entre nous autres. On tripe, on descend de montagne quand on vire un détour, puis la planche à gaz au fort. C'est là qu'on ressent le plaisir de continuer aussi de nouvelles aventures. Je suis en train de regarder un petit peu l'itinéraire pour aujourd'hui parce que je trouve qu'il nous en restait pas beaucoup. On a encore le goût de faire la motoneige. Puis hier, on a déjà fait toute la section ici. On est allé jusqu'à Sainte-Rose-du-Nord. On est revenu par le point ici. Puis après ça, on est revenu à notre point de départ qui est juste là. Donc aujourd'hui, il resterait juste la petite boucle. Puis on peut voir les petites lignes oranges. C'est des sommets aussi à aller visiter. C'est vraiment une carte interactive sur laquelle on peut jouer. On peut changer nos points. Donc, là, ce que je veux savoir, c'est se rendre au premier sommet dans le haut de la montagne. Ici, je vais me mettre comme de quoi que c'est la fin de mon parcours. On a 47 km à parcourir. Qu'est-ce qui fait une bonne journée, c'est sûr, c'est la préparation, la connaissance aussi du sentier, mais avec des outils comme ça, c'est assez facile. On a fait quand même quelques expéditions, puis je suis pas un gars expérimenté à ce niveau-là. Puis on s'en sort très bien. Ah, j'ai hâte aujourd'hui, là. C'est une nouvelle journée qui commence, puis j'ai hâte d'aller voir les nouveaux sommets de montagne. T'sais, à chaque fois que je vois une vue, là, ça a coupé le souffle. Hier, là, juste voir le fjord, quand on arrivait en haut, là, la vue était vraiment magnifique. Là. C'était ça à coche. Là. J'ai trouvé ça cool. Alors, ce matin, on redémarre au pied du Valinois pour aller visiter d'autres sommets. On démarre la journée tôt. Les sentiers devraient être super beaux. Ce matin, j'ai regardé un peu l'itinéraire qu'on pouvait faire. J'ai ciblé peut-être deux monts où on va pouvoir monter. Ça va être encore là une belle randonnée. Je pense qu'il va y avoir sûrement beaucoup plus de monde aujourd'hui sur les sentiers. On est samedi. Mais on va passer une belle journée. On décoche ça de bonne heure. Les sentiers vont être super beaux. La dameuse a passé hier soir. Fait qu'on va pouvoir rouler. Il n'y aura pas de bosse. Ce matin, Jean-Sébastien n'est pas là. On va faire. On va être trois ce matin pour aller sillonner les sentiers. C'est parti, on y va. Yes, sir, fun ride. Guillaume Tremblay-Boulet, ingénieur forestier au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. Bonjour, je suis ici pour vous sensibiliser. Par rapport aux investissements sylvicoles qui sont faits en forêt publique, on a un bel exemple ici en arrière. Il y a une coupe forestière récente qui a des arbres qui ont été reboisés. On a une belle plantation. On la voit pas parce que les arbres sont vraiment jeunes, sont à peu près ça d'eau. On le sait, la motoneige hors-piste fait des sillons quand même assez profonds, donc ça peut causer des blessures, même détruire les plants. Puis c'est des millions de dollars qui sont investis à chaque année. Juste pour vous donner un ordre de grandeur, sur le territoire des Monts-Valin, c'est 145 millions de dollars qui ont été investis. Là. Donc, même si les arbres sont juste blessés, on peut penser que ça n'a pas trop d'impact. Mais non, juste gratter l'écorce ou casser des branches, ça rend les arbres plus vulnérables. Puis ils peuvent être plus propices à attraper certaines maladies ou des agents pathogènes comme des champignons. Donc ça peut nuire à la croissance des arbres. Plus on a des belles tiges de qualité pour nos usines, plus il vaut cher. Fait que c'est quand même pas négligeable l'aspect de la qualité de nos tiges. Ce que vous devez savoir aussi, c'est que c'est interdit là, d'endommager ou de détruire une plantation. Vous pouvez avoir une amende pour ça, là, donc pensez-y avant de sortir. Bien, en résumé, quand vous faites une sortie, privilégiez vraiment les sentiers. Attendez qu'il y ait suffisamment épais de neige aussi pour protéger les arbres. L'information est disponible pour les places qui ont eu des investissements sylvicoles ou des coupes forestières. Allez sur le site du ministère Forêt ouverte. Vous avez accès à toutes ces informations-là pour mieux planifier vos sorties. Arrivé, je pense qu'il y avait des gars qui allaient faire une petite taille de snowboard qui ont peut-être... On a décidé le GPS. Mais en fait, c'est une route, c'est juste que là, j'avais sorti un peu de la route. On va aider
Les jeunes se sont mal pris un peu, mais en travail d'équipe, et on va réussir à sortir de là. Ça sera pas bien long. Ben là, je me prenais pour un chauffeur des trips de skidoo avec le cerveau, puis là, ben, on a passé à côté de la trip. Fait que là, c'est ça que ça donne. On sortirait pas sinon. Oh oh. Ouais, on essaie d'étirer ça comme on peut, là. J'aime bien ça quand on arrive des petites péripéties comme ça, là, écoute, on tombe en mode pour aider les autres. Il faut juste s'entraider et travailler comme il faut. Faut que, là, c'est important, nous autres, il faut que les deux machines, il faut tirer en même temps de l'un. On y va par coup pour le sortir. Qu'on a fait des heureux! Oui, hein, ça a fait! On a réussi à sortir, une bonne chose. On a travaillé quand même pas pire. Ils ont suivi le GPS, ça rend aux Valinois. Je pense qu'ils ont pas pris le bon chemin. Pendant ce temps-là, nous autres, on a passé droit du pic du syndicat, fait qu'on va se revirer, puis on va aller trouver ça. Super belle vue. On est rendu au sommet du pic du lac du Syndicat. Très belle randonnée pour s'y rendre. Un beau sentier bien tapé avec une belle poudreuse. On voit qu'on est dans un endroit qui est plus haut en altitude. Les arbres là, sont tous remplis de neige. C'est super beau. Là. Quand on est arrivé, là, tu vois toutes les montagnes au loin. En plus, le chemin était facile d'accès, même pour des motoneiges de sentier. Là, on se demandait des fois quand ils tombent des accumulations de neige durant la nuit. Fait qu'on est arrivé ici, là, ça a été super facile. Même c'est le fun de voir, il y a des bonnes côtes assez abruptes. Là, puis c'était plaisant à monter. Là. On vient de partir du pic du lac du Syndicat. Encore une belle randonnée ce matin, je pense. Ça a vraiment bien été, mais là, on commençait à avoir très faim. On est venu ici, on a entendu parler quand même plusieurs fois de la chapelle. On va aller essayer puis prendre un bon petit lunch chaud. Petit café aussi, ça va être bon. Même ce matin, je m'attendais à plus de circulation. C'est sûr qu'on n'a pas pris la provinciale. On a roulé plus sur les régionales. Et c'est reparti. Départ de la chapelle, direction Le Valley. C'est parti. C'est ce qui termine notre ride en beauté sur les Monts Valin. On a fait le trajet des sommets du fjord du Saguenay. Deux très belles journées en sentier. C'était fantastique. Le décor était super. On avait une gang de feu avec notre ami Jean-Sébastien. Oui, mon moment fort, c'est quand on sortait de Sainte-Rose-du-Nord, on a monté envers le 31. C'est à chaque kilomètre qu'on montait en altitude, on voyait la neige. Puis les conditions des sentiers qui s'amélioraient de kilomètre en kilomètre. Puis on voyait les arbres remplis de neige en montant. Ça, c'était mon moment à moi
fort que j'avais. Puis le sentier était quand même sinueux. C'était le fun. Il y avait de l'action. J'ai trouvé que c'était sécuritaire dans ce coin-ci. Les sentiers étaient larges. Ils étaient bien balisés, bien marqués. J'essaie de trouver vraiment le meilleur moment pour moi durant ce jour-là, puis j'en ai pas. J'ai adoré vraiment chacune des parties. Ça a été totalement différent à toutes les fois. On a commencé avec une partie qui était vraiment plus sinueuse, très technique. J'ai adoré ça. Après ça, on a enchaîné avec des pistes qui étaient parfaites, une vitesse incroyable. Merci à Jean-Sébastien d'être venu avec nous. Merci à Sport DRC de nous avoir fourni toutes les machines. On a eu la chance d'en essayer plusieurs. Moi, j'ai eu pratiquement tout le voyage un Renegade 600, une machine qui est parfaite pour les sentiers, vraiment versatile, que ce soit dans les bosses. J'ai vraiment là, eu un coup de cœur pour cette machine-là. Moi, normalement, ma machine, c'est, je travaille beaucoup avec le Summit. Puis j'ai eu la chance d'essayer le nouveau Renegade XRS avec la nouvelle suspension RAS en avant. Ce qui m'a impressionné le plus de cette machine-là, c'est que ça colle. Ça mange les détours, puis tu peux sortir avec une bonne vitesse aussi. C'est une machine qui est conçue pour les sentiers. Le MXZ 850, c'est le moteur, c'est un des moteurs qui a fait sa preuve, autant qu'en hors-piste qu'en sentier. Fait que dans toutes les plages de puissance d'RPM, tu sais, il livre la marchandise. Tu sens tout de suite le moteur, il répond automatique. Moi, je pense que quand tu as la bonne machine, c'est là que c'est plaisant. C'est là que tu vis le trip à 100%. Tu sens l'inertie, que ça s'attire, ça veut avancer. Tu te sens en confiance, tu te sens en sécurité. Tu sens pas qu'elle peut déraper d'un bord et de l'autre. Ça y va droit en avant. J'ai vraiment aimé toutes les facettes. J'aime autant l'accélération du départ que les virages serrés qu'il faut ralentir. Puis souvent aussi, c'est très tranché au niveau des gens. Les gens font soit du hors-piste, soit du sentier. Mais je pense que quand on a l'opportunité un peu d'essayer de l'autre côté, bien, on peut comprendre un peu les personnes qui pratiquent justement les différents aspects de la motoneige. Tu sais, on le fait en gang, puis le soir, on arrive, puis on compte toutes nos petites péripéties de la journée. Regarde ce qui s'est passé, on pensait jamais rencontrer un véhicule en plein sentier de motoneige. Les gars étaient un peu découragés, mais juste voir le visage heureux quand on est parti de là, regarde, ça m'a fait une partie de mon trip. Là. Il y a eu de l'entraide de tout le monde, c'est des personnes qu'on connaissait pas. Puis tout le monde, ils ont travaillé en équipe, là, on s'est fait un petit planning. Puis on a accroché deux motoneiges sur le véhicule, puis on a donné des coups tranquillement en même temps. Je pensais pas aimer autant le sentier. Puis en deux années, c'est deux coups de circuit. L'année dernière, j'ai appris à connaître l'hors-piste. Cette année, le sentier. Je suis maintenant officiellement accro du skidoo, c'est certain. Puis maintenant, je comprends pourquoi qu'on dit « that skidoo feeling ». Une grosse face, ça rentre pas facile dans mon casque.